Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc, dans cette nouvelle vidéo, je me montre en FaceTime. Enfin, vous allez me dire, je me suis dit que j'allais attendre les 900 abonnés. J'ai attendu un petit peu moins, on est à 860. Donc déjà, ça me fait super plaisir que vous soyez 860 à me suivre sur la chaîne. Les gars, c'est vraiment un réel plaisir. Donc pour cette nouvelle vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la meilleure équipe de l'Euro. Donc bien sûr, c'est entre guillemets, parce que c'est la meilleure équipe des phases de poule. J'ai pris la meilleure équipe qui a été élue par le journal L'Équipe, selon les notes des joueurs lors de leur match. Et je l'ai prise et j'ai fait une équipe fut avec. Bon, malheureusement, j'ai pas pu avoir tous les joueurs. Il y a un seul joueur que j'ai pas pu avoir. C'est un milieu droit de la Hongrie. Donc, je l'ai remplacé par Dimitri Payet. En attendant, vous ne me le reprocherez pas, les gars, parce que je pense que Dimitri Payet avait largement sa place dans cette équipe type. Donc, les gars, je vous présente l'équipe type de l'équipe devant vous, puis mon équipe que j'ai faite. Et on se retrouve tout de suite pour un premier match. Donc, on va jouer avec le milieu de la Suède. Je le trouve relativement stylé. Donc c'est parti les gars, on a trouvé un adversaire. Quelle équipe il nous réserve? Waouh, du Kane Todds, du Vardy Todds, du Mares Todds, du Payet Todds. Waouh, une équipe, elle est vraiment monstrueuse les gars. À côté de la note, c'est vrai que c'est un peu ridicule. Mais je pense qu'il y a peut-être moyen de jouer quelque chose. Parce que bon, on a quand même Gareth Bale. Et avec Gareth Bale, je me débrouille plutôt pas mal. Donc les gars, j'espère que ça va donner un bon gameplay. Et qu'on va quand même gagner ce match. Même si je pense que ça sera quand même relativement compliqué. Parce qu'il y a une équipe qui est quand même plutôt costaud. Donc c'est parti les gars. Avec Kanté, Kanté sur Modric, l'enroulé de Modric, l'enroulé de Modric et le but les gars! Voilà, un but à zéro! Le petit enroulé de Luka Modric! Ça, ça fait plaisir! Yes les gars! Voilà, ça, ça fait plaisir! Il y a un but à zéro là, sur le petit enroulé, sur une passe de Kanté je crois, ouais voilà, c'est ça. Hop, le petit enroulé qui va se loger dans la lucarne de Petr Čech. Et un but à zéro les gars. Il doit avoir le son là, parce que vu son équipe. Et voilà, non, le pénalty abusé, mais ouais, mais ça c'est ouf quoi, les pénaltys comme ça, c'est complètement ouf. Allez, McGovern, j'espère qu'il va l'enlever, sur la frappe de Payet, non, c'est un contre-pied, dommage, 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 les gars. Bon, rien n'est perdu, on a la 15ème, il y a 1-1 sur un pénalty, voilà, le pénalty, je tacle. Il lui enlève la jambe, il y a pénalty incontestablement, mais bon, ils sont abusés, ces genres de pénalty quand même. Ah, on la récupère, la frappe de Bale, et le corner encore, allez, il y a un corner, les gars, allez, on se laisse pas aller, là. Direct, on le prend la gorge, le gars. Le centre. Il est pas mauvais, mais bon, c'est Luka Modric. Hein. Perisic. La frappe de Perisic. Oh là 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 là. Elle est pas passée bien loin, celle-là non plus. Ah, hein. Oh, dommage, dommage, les gars. Il y a vraiment la place. Hein. Ouh, bel arrêt. Wow, 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 complètement abusé. Pourquoi mon gardien est sorti? Je lui ai pas demandé de sortir. L'attaquant a fait la tête, ça finissait dedans, c'était pareil. Il y a quoi jouer peut-être? Allez, Bale. Bale, là, il y a du... Oh non, dommage, il a pas laissé. Donc les gars, c'est la mi-temps. Quand on regarde les chiffres, c'est à son avantage quand même. Bon, après, je suis pas trop trop loin au niveau de la position de balle. J'ai la possession de balle, mais pas non plus grand-chose. Donc c'est un match relativement équilibré, mais bon, qui a basculé, je trouve, sur son pénalty, parce que bon, sans le pénalty, il n'aurait pas marqué. Et c'est dommage de prendre un but sur pénalty, les gars, mais je pense que cette deuxième mi-temps sera meilleure. J'espère en tout cas qu'on va faire tout pour qu'elle soit meilleure. Et j'espère vraiment qu'on va gagner ce match, les gars. Même si notre équipe n'est pas top comparée à la sienne, quand même. C'est vrai qu'il faut l'avouer, quand même. En plus, un Parisien, ça me ferait plaisir de le battre. Ça serait une petite dédicace à Winza, mais bon, pour l'instant, c'est loin d'être le cas, hein, parce que c'est lui qui a le pied sur le ballon, et c'est lui qui a tendance encore à dominer encore ce début de deuxième mi-temps. Allez, à moins que... Allez, Gareth! Allez, Gareth! Allez, Gareth! Gareth l'a pas sorti. Oh non, mais c'est pourquoi il l'a fait pas direct? S'il l'a fait directement, j'arrive lancé. Comme là... Non, ben non, 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 là, on a fait n'importe quoi. C'est ouf, quoi! Modric pour Bale. Oh, elle est un peu longue, elle est un peu longue. La frappe de Bale. Oh, l'arrêt, il est magnifique, l'arrêt. Oh, dommage, les gars. Là, on l'avait, notre occasion. On l'avait, on l'avait. Allez, Dimitri. Dimitri. Dimitri s'est imposé. Dimitri, le son de Dimitri, la reprise. Oh, non. Comment il peut me louper ça? Comment il peut me louper ça? Comment il peut me louper ça, les gars? C'est pas possible. Oh, la poisse qu'on a, là. On devrait mener, là. La frappe de Perisic. Oh, l'arrêt de Čech. C'est pas vrai, les gars. On va y arriver, on va y arriver. Je sens qu'on va y arriver.
Oh non, c'est ridicule. Pour Bale. Pour Payet. Payet, il a réussi. Il est passé, Payet. Gareth Bale. La frappe de Gareth Bale, elle est contrée. Allez, allez. Au duel, au duel, au duel, au duel. Eh non, il s'impose pas. On se repose là. La frappe. Oh non, encore l'arrêt de Sech, mais il est monstrueux ce gardien. C'est ouf, quoi. On est très vraiment de marquer, les gars. On va essayer de la jouer premier poteau. La tête. Oh non, sur la ligne. Oh non, mais c'est pas vrai, les gars. Il faut pas être cardiaque avec ce match. Ouh, bel arrêt de mon gardien. Là, pour le coup, mon gardien fait plutôt un bon match, quand même. Hein, pour un 67 de gêne, les gars. Mis à part la sortie hasardeuse. Oh non, et le but de Vardy sur corner. Ah, la 89e. Oh non, c'est cruel, les gars. J'avais même pas vu. La 89e, alors que bon, on aurait mérité. Après, le match n'est pas fini, mais... Allez, Gareth. Oh, Gareth Bale, il est bien revenu, Bale. Le centre en retrait, la reprise de Payet. Et le but, voilà les gars, l'égalisation. Vamos, allez. Le but de Payet à la 90e, c'est amplement mérité, les gars. On méritait très largement d'égaliser, et ce qui est fait. Donc c'est génial, les gars. Voilà, but à la 90e de Vardy, et but à la 90e de Payet. Merci FIFA, il n'y a que dans FIFA que tu peux voir ça, quasiment, hein. Mais bon. On va pas s'en plaindre. Ce qui me fait un peu peur, c'est qu'on est obligé de disputer les prolongations. Puis les prolongations, on a des joueurs qui sont plus très très frais. Donc bon, c'est... voilà. Il y a faute là. Bon, les gars, c'est la fin du temps réglementaire. Donc on va voir les stats. Donc c'est plutôt très très équilibré. 11 frappes pour lui, 9 cadrés. 10 frappes pour moi, 8 cadrés, 50-50, 2-2. Bah les gars, franchement, match vraiment super équilibré. J'espère vraiment qu'on va reprendre l'avantage. Hors-jeu. Hors-jeu. Oh non, 3-2 les gars. But de Vardy. Ah non, Harry Kane. Harry Kane, j'ai rien dit. Bon, c'est vraiment dommage les gars, parce que franchement, on méritait pas ça. Mais bon, et voilà, hein, il reste encore du temps. On a bien égalisé la 90e, donc tant qu'il y a de l'espoir. Allez, Gareth Bale. Allez, Gareth Bale. Allez, Gareth Bale, la frappe de Bale. Mais il a fait une passe, Gareth Bale. Oh non. C'est pas possible. Non. Oh non, elle est à contre-coup. S'il n'avait pas fait le tac, il y avait moins qu'elle soit bien. Donc, on se retrouve à la mi-temps de cette prolongation, les gars. C'est pas ouf. Je veux dire, on s'est pas créé d'occasion. Ils en ont créé une seule. Malheureusement, il a marqué. C'est un peu cruel. Allez, Bale. Allez, allez. Au bout, au bout. Oh non, Bale. C'est pas vrai. Oh non, Bale, il l'a poussé trop loin. Pourquoi il la pousse autant? On a la 120e. C'est le moment où jamais de marquer. Est-ce qu'on va faire comme... Eh non. Et non les gars, c'est la fin du match, malheureusement. Bon, c'est un match qui était plutôt équilibré, il avait quand même une plus grosse équipe que moi, donc il était un peu avantagé. En plus, je jouais avec un dispositif avec lequel j'ai jamais joué, et une équipe qui avait pas beaucoup de collectifs. On va regarder les stats, quoi. Donc c'était un match plutôt sympa à jouer pour moi, les gars. Je sais pas si vous avez pris du plaisir à regarder la vidéo, en tout cas, j'espère. En plus, c'était ma première vidéo en FaceTime, donc bon, je me sentais pas super super à l'aise. Mais bon, ça va aller qu'en s'améliorant. Donc les gars, si vous vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça me fera super plaisir. On se retrouve normalement la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vais vous prévoir quelque chose. Il y aura beaucoup de vidéos, normalement, il y en aura 3-4, parce que j'ai une petite surprise pour vous. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Sur ce, ciao les gars !